Rien ne tombe plus de la part de M. Hannet. Mais je voulais exprimer mon indignation parce que c'est ça qui participe à la décrédibilisation de la parole du politique. Voilà un homme qui est socialiste depuis 40 ans. Il se décrit comme le premier des socialistes et qui aujourd'hui, sans vergogne, toute honte bue, rejoint Macron, qui, on le sait, est le candidat de la finance internationale. Que doivent dire aujourd'hui tous ces militants sympathisants de gauche qui ont été pendant toutes ces années avec lui, qui ont tenu des bureaux, qui ont collé des affiches, qui ont fait des réunions de cellules, mais ils se sentent abandonnés? Donc c'est une trahison, et ce n'est pas moi qui le dis tout seul, je ne suis pas isolé à le dire. Vous avez Michel Vergoz qui dit qu'il est attristé, et vous avez Patrick Le Breton qui dit que cette trahison est le fruit d'un calcul politique et qu'il est aussi extrêmement contrarié et attristé. Et qu'il trahit pour deux plats de lentilles. Premier plat de lentilles, la circonscription numéro 1. Deuxième plat de lentilles, la circonscription numéro 2, c'est-à-dire barré en fait. Et la presse écrite l'a indiqué, pour tenter de sauver les meubles et de s'accrocher au pouvoir. Il a demandé à Macron de ne pas mettre de candidats macronistes dans les circonscriptions de ses protégés, Orphée et Barège, qui sont des élus du conseil municipal. En échange de quoi, il a dû lui dire « Je te rejoins, Emmanuel Macron, mais ne mets pas de candidat contre mes deux circonscriptions à Saint-Denis. Saint-Denis est déjà entre les mains de la droite, puisqu'on a lourdement perdu les cantonales, 3 cantons sur 4, et les régionales, où Didier Robert gagne avec 58%. Donc si j'ai un candidat Parti Socialiste, Canal Historique, et un candidat macroniste, je suis mort. » Voilà, en fait, le marchandage, le deal qu'a vraisemblablement effectué Gilbert Hannet. On verra si l'avenir me donne raison. Mais je crois que c'est clair comme de l'eau de roche.